France. Très bien, nous y serons, nous y viendrons. Je vous remercie. Je vous propose une nouvelle page de musique dans Bonjour la France, Bonjour l'Europe, et toujours sur le grand orgue de l'église Saint-Germain de Dourdan, et toujours avec André Izoard, un morceau qui nous convient très bien pour ce samedi de bonne heure à 7h20, Rosée du matin d'Alfred Lebeau. Blanche de Quespin, sur la pour venir vous voir ici, à l'église Saint-Germain, près du grand orgue, mais c'est haut pour monter. Non, mais attendez un peu. André Izoard, vous êtes le parrain de ce grand orgue qui a été refait, voici, 3 ans, et qui est un monument historique. Et oui, c'est un monument historique, c'est un des rares survivants de l'époque de 1876, et c'est un instrument qu'on peut appeler romantique. Et c'est une denrée assez rare. Et c'est un instrument qui est dû au facteur Goyadin de Bordeaux. Et c'est, à ma connaissance, un des seuls instruments de ce facteur. Vous dites facteur de facture assez rare. Et pourquoi? Parce qu'il y a différents types d'orgues qui ont des sons de tonalités différentes. Ah, je vous ferai pas un cours. Non. Il y a l'orgue médiéval, il y a l'orgue renaissance, vous avez l'orgue classique. Après, on a l'orgue romantique. Ensuite, l'orgue symphonique en très gros, et l'orgue moderne. Les différences, c'est quoi? Ah, disons que ça va en s'amplifiant. Disons que plus on avance dans le temps, plus l'orgue s'amplifie. L'époque romantique, on a tendance à vouloir imiter l'orchestre avec, vous savez, des gros jeux bien ventrus, au détriment de l'attaque que l'on recherchait à l'époque classique. Vous êtes titulaire, je rappelle, de l'orgue Saint-Germain-des-Prés à Paris. Saint-Germain-des-Prés, exactement. Et quelle est la différence entre les deux? Ah, d'abord, parce que vous êtes ici en invité. Oui, celui de Saint-Germain-des-Prés, évidemment, plus important. L'église est quand même plus grande. Mais celui-là est vraiment très, très beau. C'est une rareté, cet orgue. André Izoard, si on parlait de la situation de l'orgue en général en France, aussi bien sur le plan des implantations d'orgue que de l'enseignement, qu'est-ce qu'il faudrait dire? On peut dire que l'orgue se porte très, très bien. Je vois, il y a une trentaine d'années, quand l'orgue commençait à revenir un peu à la mode, on a dit non, ça c'est une mode, ça passera, ça n'a pas passé. Quand on voit par exemple le nombre de classes d'orgue qu'il y a en France, il y en a presque 150, ce qui est énorme. Et je suis sûr qu'il y a des pays voisins qui n'en ont pas autant. Eh bien, Dourdan a donc montré l'exemple, puisque a décidé, voici 4 ans, de rénover cet orgue. Ça a duré un an, une année complète, et maintenant il est, vous voyez, très beau. Et André Izoard, tout à l'heure nous entendrons Bernard Boudry jouer dessus, c'est très beau. Le temps de redescendre maintenant à Blanche de Castille, le temps pour vous de regarder Télé-Sillon.